Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people. Vous êtes dans le Fafa. On se regarde en face et puis on se dit la vérité et puis ça va pas quelque part. C'est l'émission Fafa et aujourd'hui, ça va chauffer. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge De Fallé, la légende. Mais je suis pas seul, toujours avec mon binôme, l'homme de tous les temps, le monsieur aux questions, Tony Triomphe, le big Anaconda. Anaconda, le piquant. Ah, ok, yes, mon type. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un. C'est quelqu'un qui vit en Europe. Il est pétri de talent parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est multidimensionnel. Pour le qualifier, ce serait très difficile parce que dans ce tas, il est un peu comme le vent parce que tu ne peux pas le cerner. Par moments, il est acteur. À des moments, il peut être humoriste. À des moments, il peut être aussi un conseiller. Il vit en Europe, entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, bien sûr. Il est artiste. Mais je sais que vous le connaissez déjà parce qu'il a souvent par moments des sorties où il parle de choses d'actualité qui attraient la toile. Et par moments, il peut sortir même une vidéo en moins de 2-3 minutes. Ça devient très viral sur la toile. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans ce Fafa où on va se regarder, puis on va se parler. Et puis, il va vous dire aussi les bêtes. Moi, je l'appelle l'Allemand, Dedi Gota. L'Allemand, Dedi Gota. L'Allemand, Dedi Gota. L'Allemand. Alors... On fait pas ça, pardon. ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ça fait peur, non. Là, on fait pas ça. Bon. Ah, Anaconda. Yes, sir. Voici l'homme, Dedi Gota. Le frère Gota est là, mais je pense que moi j'ai salué Kenzo. Et puis demander à Kenzo si Kenzo parle allemand. Si Kenzo parle pas allemand, je vais dire à Gota de nous dire bonjour en allemand. Comment ça se dit? Guten Morgen, ich bin Dedi Gota, ich bin ein Schauspieler. Si tu n'as pas compris, il faut aller à l'école. Waouh, c'est bon. Normalement, on fait allemand à l'école, non? Mais ça ne te parle pas. Hein? C'est pas allemand que tu as de parler là. Non, allemand de l'école là, c'est du, comme ça, dit, mais toi pour toi c'est fluide. Non, c'est fluide parce que. La neige est rentrée dans les gens. Ah. Dans votre allemand d'ici, il n'y a pas de neige. C'est soleil qui a rendu l'allemand là. Dis. C'est plus allemand. Alors. C'est maman. C'est Gota l'allemand, comme mon frère. Dedi Gota. On dit l'appel comme ça, mon nom c'est Dedi Gota. Dedi Gota. À l'état civil, c'est ça. Voilà, à l'état civil, c'est ça. Mmh. Donc finalement, tu es blogueur ou tu es influenceur ou tu es comédien? Non, je ne suis pas influenceur. Tu es blogueur? Je ne suis pas blogueur. Tu es comédien. Ici, un comédien, ici, j'ai un chorégraphe, acteur et comédien. Un blogueur, c'est quelqu'un qui. C'est-à-dire que tu poses des vidéos pour juste avoir. On peut dire, bon, il aime faire de la récupération. D'accord. La récupération, c'est-à-dire qu'il se, voilà, il se sert de. Non, il se sert de problèmes des autres pour avoir un nom. D'accord. Ok, voilà. C'est un bon intro. Mais comme voilà. Toi, ça fait 8 ans que tu fais les vidéos. Donc, pendant les 8 ans, tes vidéos parlaient de quoi alors? Puisque tu es comédien, en même temps chorégraphe. Oui. Mais pendant ce temps, pendant 8 ans, tu fais les vidéos sur la toile. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai posé la question si tu es blogueur ou influenceur. Non. Parce que ces vidéos-là, c'était par rapport à ta carrière ou mais ça parlait de quoi? 8 ans. Mes vidéos parlent de. C'est de l'humour. Mais je n'ai pas envie de faire de l'humour pour être un humoureur. Pour être comédien, parce qu'il faut être comédien. L'Afrique a trop de problèmes. C'est le seul continent quand tu renverses, ça m'a pistolet. D'accord. Voilà. Donc, a trop de problèmes. Donc ça dit que. J'ai dit, si je dois faire de l'humour, il doit faire de l'humour qui apporte avec un texte, qui apporte avec des idées, avec des thèmes bien positifs. Sans injurier, sans être vulgaire, sans être provocateur. Mais c'est que je te fais rire, mais après, je dis que ça fait rire, mais il n'a pas quand même tort. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme, je donne un exemple, l'acteur Dieudonné. D'accord. Voilà. Le caméra, ok, donc, en fait, à travers l'humour, tu fais passer le message qui est vraiment sensé. Voilà. Par exemple, Anaconda, il y a une de ses vidéos qui a été virale sur la toile. Ça, on va en parler. Où il a parlé des personnes qui sont restés en Europe pendant des années sans mettre le pied en Afrique. Ouais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont vieilli pratiquement 40 ans en Europe, ils ne sont jamais venus en Afrique. Ouais. Et il a fait une vidéo
sur ce sujet-là. Mais je pense que Gotha, même, il a plus de choses à dire que ça. Parce que même toi, tu as vécu longtemps, tu connais cette histoire, comment les gars vivent longtemps et puis ne peuvent pas entrer. Toi-même, tu peux nous détailler ça. Bien, hein? Ça, c'est pas grand-chose. Des fois, tu as fait State, tu as fait France, tu as fait tout du monde. Ça, là, ça, tu peux nous expliquer ça. Mais donc, Gotha, tu es ivoirien, non? Bien sûr. Ivoirien? Oui, oui. D'accord. Donc, tu n'as pas de modèle parmi les comédiens ivoiriens, nos comédiens ivoiriens, là. Tu as un modèle? J'apprécie beaucoup Magnifique. C'est ton modèle? Tu veux lui ressembler? Modèle, c'est la vie. C'est une façon de parler, un modèle. Je peux dire que, pas mon modèle, mm-hmm. mais c'est mon exemple. D'accord. Voilà, j'aime bien Magnifique mm-hmm. en matière d'humour hein, d'accord. et en matière de comédie, parce qu'il ne faut pas mélanger comédie et humour. Wow. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est quoi l'humour, c'est quoi la comédie? Un comédien, c'est celui qui incarne certains rôles. Un humoriste, c'est celui qui raconte des choses drôles et qui fait des spectacles des choses drôles. C'est différent. D'accord. Je prends un exemple. D'accord. Gou, Monsieur Grand Gou n'est pas humoriste. Mm-hmm. Il est un acteur. D'accord. C'est-à-dire, il incarne certains rôles. Mm-hmm. Tu comprends? Okay. Un humoriste peut faire un spectacle sur scène. Mm-hmm. Un comédien a bien d'autres acteurs pour faire un scénario, pour faire une mise en scène. Pour apporter le livre, c'est différent. Donc l'humoriste, il peut faire son one man show. Voilà. C'est l'humoriste qui fait one man show. Ok. Ah, donc, on dit one. Bon, ceux qui n'ont pas fait l'anglais, qui sont bêtés, on dit one, ça veut dire un. Mm-hmm. Une personne, tu fais un show. Mais ici, souvent, on dit one man et tu vois tout le village. Ça, c'est pas one man. Mm-hmm. Ça, c'est des man qui sont en one. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, si on voit plus sur la toile. Ils ont des man qui sont en one. La nouvelle génération aujourd'hui, mm-hmm. parlant des Yves Dereux, Enis Zénon, tu le situes où alors? Yves Dereux est une grande comédienne. D'accord. Et je pense qu'elle et moi, je connais en privé. C'est pas tout, on dit si moi, je connais en privé. Vous connaissez en privé? En privé, ouais, pas privé. Et quand elle commençait, je donnais mes conseils à ma manière, je donnais mon avis, quel que soit dès le départ. D'accord. Après, à un moment donné, elle m'a bloqué. Bon, t'as bloqué? C'est la donc vous l'annoncez n'est pas le cas? Non, c'est grand frère, petit frère. Et petit soeur, grand frère. Elle a été ingrate envers toi ou pas? Non, pas ingrate, on dit pas ingrate parce que je lui dois rien. Mais privé, vous étiez ensemble, tu lui donnais des conseils et après, t'as bloqué. Elle m'a dit elle-même qu'elle a changé de compte. Donc c'est ça. Si elle m'apprécie très bien et on a une bonne relation. On a un petite soeur, grand frère. Parce que moi, non. Oui, ça, elle m'adore. Elle m'adore. Elle m'adore. Elle m'aime bien parce que on m'apprécie bien. Moi, j'apprécie sa forme, son teint. Non, son travail. Moi, il parle pas de son physique. Mais avant de travailler, il faut d'abord être physique, pas. Non, c'est pas élection miss. Donc là, c'est la forme et puis le teint qui me plaît. Pour commencer. Hein? Oh, mais elle, tu es fan d'elle. Si tu me donnes, il prend. Oui. Mm-hmm. Pour commencer, maintenant, du côté artistiquement, elle a fait beaucoup de progrès. Je peux dire qu'elle s'est inspirée un peu de l'autre, là, comment ça s'appelle, Bravador. Mm-hmm. Parce qu'elle a fait un peu de zapping, c'est du zapping qu'elle met après, elle met son humour au milieu. Donc, c'est mon avis à moi, je peux me tromper. Hein. Mais je pense que, voilà un peu. Mais moi, je l'apprécie bien. Elle est beaucoup respectueuse. Et puis elle bosse beaucoup pour avancer. Et puis elle est en forme aussi, il y a tout ça. Tout le temps tu as passé en allemand, hein, comédie et puis chorégraphe, tu feras. Tu as déjà fait des salles? Oui. Yeah. Je demande, non, c'est pas. Hein? J'ai vu des salles même. J'ai perdu 36 spectacles à cause de Corona. Et le gouvernement ivoirien t'a donné un peu d'argent pendant cette crise-là? Le gouvernement, quoi, dis-y? Je demande, hein. Les... Tu es un artiste ivoirien, mm-hmm. il y a eu la crise sanitaire. Le gouvernement peut donner la chose, il peut donner aux gens ici, là, c'est de l'eau. Le gouvernement en place à ce qu'il peut donner dans la crise sanitaire, c'est de l'eau qu'ils peuvent donner. Mais c'est de l'eau, toi, tu as réussi. À chaque joueur, il a reçu 50 litres de l'eau. Waouh! Est-ce que tu es déclaré au Biruda? Bien sûr. Et pendant la crise sanitaire, le gouvernement fait face. Quand eux se disent qu'ils disent que nous, on est en Europe, ils se disent qu'il y a là-bas. Des fois, ils connaissent. Il y a là-bas. Tes parents t'appellent quand ça paye, ça va jamais. On dit, mais vous. Et puis toi-même, vous mangez un peu, pour vous est bon. Pour vous est là-bas, toujours. Oh putain, là, vraiment. C'est là. Les buridés. Comment on peut te définir? Parce que je sais que non seulement tu es chorégraphe, tu es acteur,
voilà, tu es humoriste. Mm-hmm. Bon, et puis tu sais, tu fais beaucoup de scènes au niveau de l'Europe. Mm-hmm. Ah, comment on peut te définir en tant que tel? Je suis un artiste. Ouais, multidimensionnel, multipluriel. Ok. Et pour dire encore que je fais, je joue à la CPI. Ah ouais? J'ai fait un spectacle à la CPI. Ok. J'ai fait une comédie musicale sur la CPI où il dit la CPI aime les Noirs. D'accord. Voilà, c'est le seul coin où tu peux voyager sans passeport, ni visa, parce que c'est son passeport qui n'est pas depuis la même. Le président, même bien, il n'a pas payé. La CPI, c'est le seul endroit où tu peux voyager sans passeport. Sans passeport, ni visa. On n'a pas besoin de. On te prend à 4h à 6h du matin, tu es là-bas. Tranquille. Tu ne payes pas maison, tu ne payes rien, mais tu es là. Là-bas, tout est gratuit. 8 ans de vidéo, c'est ce que tu as dit. Oui. Pendant les 8 ans, là, Marcos, qu'est-ce qui t'a fait? Tu dis qu'il manque d'éducation. Oui. On ne dirait pas qu'il manque d'éducation. Mm-hmm. Je peux simplement dire personnellement, oui. Il manque de direction. Tu comprends? Comme auparavant, tu as dit qu'il manquait d'éducation, mais là, maintenant, tu dis qu'il manque de direction. Oui. N'est-ce pas? Apparemment, il avait dit ça. Mm-hmm. Je ne vais pas mentir, il avait dit ça, mais je veux dire quelque part, pour l'âge et pour le respect d'une personne qui l'est, peu importe, mais il manque de direction. Mm-hmm. Parce que je trouve pas, et tout inadmissible, et tout pas bien que tu dis que tu es un homme de Dieu. Mm-hmm. Excuse-moi du terme, et tu dis, non, quand la. Mais on lui a posé la question ici, Défalé, moi, il est homme de Dieu. Il dit oui, mais quand il est sur les réseaux sociaux, mm-hmm. c'est une autre personne. Ah, ça veut dire que Dieu n'est pas dans les sociaux, quoi. Ah, non, on a essayé de dire ça, non. Bon, enfin, on n'a pas pu avoir une réponse exacte. Comme non, il dit qu'il opère dans le ministère en tant que. Voilà, lui, c'est non, ça. C'est comme si tu me dis que. Il dit que non. Indianu dit que non, elle ne fait pas l'amour, elle fait son travail. Mais est-ce qu'on ne la dit pas? Mmh. Quel est son travail? Ça ne passe pas sur ton travail, mais quand même, c'est l'amour qu'il fait. On te dit. C'est clair. Voilà, donc. Tu as des messages pour Marcos, tu peux le rééduquer pour qu'il soit bien orienté dans ce qu'il fait. Non, pas le rééduquer parce qu'on ne change pas une personne. Je peux simplement le critiquer pour qu'il puisse. Parce qu'il a une certaine force. On appelle ça en bon français dans la tchatch. Mmh. Il peut capter des personnes. D'accord. Donc, à lui de savoir. Soit il est complètement un homme de Dieu, mm-hmm. ou il est complètement un homme de réseaux sociaux. À lui de savoir, ça veut dire qu'il manque de direction. Mm-hmm. Il peut mélanger les deux aussi, mm-hmm. mais il doit avoir des retenues, mm-hmm. compte tenu qu'il est. Quand on veut donner des leçons, faut que tu leçonnes toi-même. Wow. Tu comprends? Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Moi, par exemple, t'as pas lu aucune de mes vidéos où il a insulté quelqu'un. D'accord. Mais je peux te parler, ça peut te toucher. Là, c'est Marcos, il insulte dans ses vidéos. Tu as internet, c'est moi, toi-même. C'est pas évident. Souvent, il me connaît, mais souvent, il ne voit pas. Mais comme toi, ça fait. Faut 200, là. C'est ce que j'ai fait. Ah. Comme toi, ça fait 8 ans que tu es sur. Tu fais les vidéos, tu es plus ou moins sur les réseaux sociaux. Donc, tu es bien placé pour savoir si Marcoso, il insulte ou pas. Beaucoup. Il insulte beaucoup. Beaucoup, hein. Beaucoup de vides, beaucoup de ces. Où il évoque ce certain où il a un truc que j'ai pas personnellement qui m'a où il a dit on peut dire ça oui vas-y voilà, il a une fille il dit pas ça oh pourtant toi tu as deux filles oui si on dit pour elle ça dit comment il a deux belles filles mais comme tu es dans les milieux tu es dans les milieux il y a un qu'on appelle Apoutu là qu'est-ce qu'il Apoutu national ou quoi là il est l'un de mes fans il m'apprécie très bien. Il partage toutes mes vidéos. Mm-hmm. Je pense que, Apuchu, qu'est-ce que je veux te dire que il se sert de ça comme une porte d'ouverture. C'est ce qu'il a lancé aujourd'hui. Mm-hmm. Il a eu la publicité, il a eu le temps. Et je dis ça à mon frère Défalé. La Côte d'Ivoire adore les voyous. Adore les gens impolis. La Côte d'Ivoire adore les gens qui sont violents. La Côte d'Ivoire adore les gens qui sont vraiment pervers. Attends, c'est profond. Défalé va essayer de nous me placer. Par exemple, j'ai fait école coranique. Il y a les Français là, je ne comprends pas bien. La Côte d'Ivoire aime le voyou. Ça va être Dougouma ça. Dougouma ça. Mm. La Côte d'Ivoire aime le voyou. Donc les Ivoiriens là, ils aiment les voyous. Oui. Et puis ils aiment les gens vulgaires. Violents et pervers. Quand tu partages une vidéo, tu es intelligente, tu es mature, on ne regarde pas ça. D'accord. Mais si tu partages une vidéo où tu attaques maman des gens, où tu insultes les gens, où tu es tellement. Où certaines filles. Parle du sexe. Voilà comment faire l'amour là. Mm-hmm. Tu vas avoir 10 000 et 30 000 personnes qui te suivent. Toi, tu critiques ces genres de choses, hein? Oui, je critique ça. Oui, mais tu vas jamais voir que je vais juger quelqu'un. Mais dans tes critiques là, pourquoi tu dis pas qu'il y a trop d'homosexuels en Côte d'Ivoire depuis un moment? Ah, vrai. Où est-ce que tu parles à Thomas là? Attends, où tu parles? On m'a bloqué déjà. Qui t'a bloqué? Ah, moi, je sais pas.
Mais faut nous dire que tu as dit quoi, mais tu as fait quoi, t'as bloqué. Ils m'ont bloqué. Qui parce que ils n'ont pas. On m'a envoyé mail, on dit que non. Ils m'ont passé, il a fait une vidéo pour dire que je ne suis pas contre l'homosexualité. Mm-hmm. Si les gens c'est ce demi-sadre. D'accord. Si il veut avoir le coco vers le nuque, c'est le nuque. C'est ce problème. Mm-hmm. Parce qu'il a dit seulement dans la vidéo que nous, les Africains, on a nos traditions. Bien on sûr, a nos oui. cultures. Oui, oui. On a nos religions. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, et en plus, nous sommes les êtres, les Africains, sont les, ils possèdent. D'accord. Donc, prends cela et puis tu dis que ce camarade, c'est dangereux. C'est d'abord dangereux. Mmh. C'est ce message-là toi tu as lancé. D'abord, il a mis ça dans la comédie et puis il a dit bon. On dit il faut orientation sexuelle, orientation quoi. Je ne suis pas contre. Oui. Mais je veux dire que oui. pour que tout le monde soit servi, oui. légaliser la polygamie. Là, les homosexuels se dominent. Nous, on a trois filles. C'est quelque chose, ça t'est libre. Tu as critiqué, c'est pas mauvais. Mmh. Mais est-ce que tu as sensibilisé? Parce qu'aujourd'hui, on a atteint un stade. Aujourd'hui, il y a les spectacles. Même quand tu arrives, c'est rempli d'homosexuels. Mmh. En Côte d'Ivoire, ici, on ne va pas donner des noms. Mais on a nos enfants qui sont là. C'est sensible. Tu vois, on a nos enfants qui sont là. Donc, on a besoin de l'avenir de nos enfants. Donc, il faut donner des éducations, les sensibiliser. Je dis que oui. on a nos cultures, on a nos traditions, on a nos religions, nos états. Pourquoi toujours tout doit venir du blanc? On peut aussi imposer. Et donner un exemple. Avant là, les plus belles femmes, c'est les femmes minces. Mm-hmm. Parce que chez les blancs, il y a deux formes. Soit elle est confondue, soit elle est maigre. Donc pour eux, quand tu. Comme ça, ils n'avaient pas ça avant. D'accord. Mais quand les Américains ont fait des clips avec des fesses, ils iraient mieux avec des femmes en forme. Mmh. Aujourd'hui, les femmes blanches se opèrent pour avoir des fesses. Ouais. Tu aimes les fesses du Doxy? Non, c'est là. Bon. La partie là, ça va passer. Si, ça va passer. C'est ça. Si tu aimes les fesses du Doxy ou pas, c'est oui ou non. Moi, si là, tu as Doxy Yao pour une nuit, comment ça? Non, moi, je mange bio. Ah, tu manges bio? Uh-huh. D'accord. Donc, tu fais l'autre bio là. Moi, j'ai rien dit. Moi, je dis, mange bio. Donc, c'est qu'à dire pour les bio là, c'est ça, toi tu veux. Qui ça? Ah, c'est dans ma bouche, tu veux mettre ton piment. Ah, toi tu me poses une question. On est dans la biologie? Pas de bio, on est dans la biologie? C'est la biologie alors. Non, ça c'était sur toute la toile, un peu partout. Kamel Samal dit que c'est bio. Voilà. Oui, non, voilà, Kamel Samal. Ça, c'est pas mal. Moi, je voulais mettre ces photos. Kamel Samal aussi. Elle est sématisée. Dans tout ton parcours en Allemagne, il n'y a pas un Allemand qui t'a dragué une fois dans ta vie? Si! J'ai parlé, on était en spectacle, il n'y a pas de tout comme ça. Mm-hmm. Que c'est aphrodisiaque, ça pour Joe, il m'a dit c'est combien. Moi, il était dit qu'il butait à 100 euros. Il m'a donné deux bouteilles. Okay, moi, j'ai dit 1 à 1000 francs. Donc, il a payé deux bouteilles. 200 euros. 200 euros. Et puis, deux bouteilles, il a envoyé. Et moi, j'étais à la maison vers 6 heures du matin, il m'appelle, il sort à l'hôpital. Il me dit que non. Il dit, ouais. Il dit, non. Je suis à l'hôpital avec mon ami, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il dit, c'est ton truc toqué là. Il dit, qu'est-ce que tu toqué? Moi, il ne comprenait pas le mouvement. Hein? Il a appris à tout pour mourir son camarade. C'est que il est dangereux. Hein? Et il a tellement joué son camarade qu'il se retrouve à l'hôpital. Wow. Et il m'appelle à 6h qu'il sort à l'hôpital. Il dit, c'est ton toqué là? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non? Je l'ai utilisé. Il dit, qu'est-ce que tu utilises comment? Attends, il est sur ton toqué là. Il dit, mais comment? Il dit, non, je l'ai utilisé. Comment tu l'as utilisé? Moi, je n'ai pas expliqué les morts vont aux Haïti. Tu l'as utilisé comment? Il dit, non, j'ai étudié sur mon ami. Il dit, ton ami, il a fait quoi? Il a bu, quoi? Mais il dit, non, c'est moi qui ai bu et j'ai utilisé. Qu'est-ce que tu as fait? Juste, mais frère, c'est que tu expliques, je ne comprends pas ce que tu expliques. Wow. Non, excuse-moi, mais depuis, il parle, tu parles pas. Non, il a laissé une situation. Il dit, guerrier, il dit, mais ça, c'est ça que ce que j'ai appris dans tout est là. Il faut mettre dessus, d'abord, on met des médicaments là, abus dangereux, bien quoi, dangereux. Il faut mettre interdit aux. Mais Gotha, toi en Allemagne là-bas, comment t'as pu avoir à tout est? Non, il n'y a pas de citoyen ça. Il a la chorégraphie et puis la comédie tu fais là, c'est dans quel domaine tu gagnes bien ta vie? Oh, dans la comédie musicale. Dans la comédie, musicale que je travaillais beaucoup, et puis je travaille encore dedans. Mm-hmm. J'ai encore même. Il y a un théâtre qui m'a contacté, mais ils m'ont imposé que si je ne me vaccine pas, ils ne travaillent pas.
T'es vacciné Covid. Mm-hmm. Donc quand il est parti, il me vacciner plus bon. Mon remède, me voilà. Alors, Anaconda, bon, faut que tu saches que Denis Gota, il fait partie d'une troupe mm-hmm. qui ont fait pas mal de tournées dans l'Est, en Europe, dans laquelle se trouvait. Voilà, dans laquelle se trouvait Feu Esquili, mm-hmm. qui est très proche de lui, mm-hmm. et aussi Gadougou. Il a fait partie, est-ce qu'il en a même par là Je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que Dieu est passé par moi. Dieu passe par tout le monde. Voilà. Mais j'aime pas. Dans la vie, j'aime pas quand les gens s'approprient des choses. Tu comprends? Je pense que Dieu est passé par moi pour ouvrir notre porte à Esquili. Je préfère dire ça comme ça. Il peut faire que, voilà. Comme ça, voilà. Parce que moi, c'est quelqu'un aussi qui m'a fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est tu parles beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie. Alors, Didi Gota, mm-hmm. au-delà de ça, quel est le spectacle, disons, la pièce de théâtre que vous avez montée, que vous avez fait le plus tourner? On appelle ça le coupé-décalé. Ok. Le coupé décalé où. Et ça parlait de quoi dans la pièce? Parce que je sais que vous avez fait beaucoup de. Ça parle de la vie. De notre vie de jet set. De jet set. Ok. Et ça parle aussi, moi, dans cette vie, il jouait un faux rôle. C'est-à-dire qu'il faisait face. Mais dans ce truc, il me fait passer pour quelqu'un qui a l'argent, qui n'a rien. Mm-hmm. Voilà. Donc, chacun avait son rôle. DJ Meko, tu jouais Serge Defalé. Voilà. DJ Meko, DJ Meko, voilà. Voilà. Serge Defalé. Gadoukou, tu jouais Doug Saga. Ok, oui. Mais Doug Saga musclé. Voilà. Et moi, moi, je faisais plutôt plusieurs heures à la fois. Voilà. Tu fais tourner la scène et tout ça. Ah, donc, voilà. Tu les as côtoyés, les gars de la jet set. Tu les connais très bien. Je pense que leur vie nous a beaucoup aidé, ouvert des portes. En Allemagne, ouvert des portes. Mm-hmm. Ce spectacle a beaucoup marché. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup marché. Après moi, j'ai fait un spectacle qu'on appelle Le Gobi, où je parle de tout dans ce Côte d'Ivoire, du village jusqu'à en ville, pour dire que chaque danse ou chaque mouvement a un sens. Ouais. Tu vois? Mais Anaconda, il y a une anecdote que je vais t'expliquer. Ouais. On dit, il paraît que une fois lors de l'un de leurs spectacles, au moment où le spectacle a démarré, est-ce qu'il a disparu? Ça sent l'autruche. Vous l'avez laissé, hein? Oui. Dans le spectacle, il a son rôle. Est-ce qu'il a son rôle? Voilà. Et il y a une partie du spectacle que vous avez vu où il chante Coupé de Galère avec un Coréen. Un Coréen. Voilà. C'est un spectacle là, c'est un spectacle de 1h30. Et après, il y a une partie maintenant où il y a un spectacle où est-ce qu'il est moi, plus de personnes étaient sur scène, mm-hmm. est-ce qu'il a tapé lui seul une bouteille de Jack? Waouh. Et puis il s'est caché en bas de la scène en train de dormir. Mm-hmm. Et il ronfle, on le cherche. Le gars le cherche. Ah bon? Autour de ça là, il dort. Autour de ma fatigue. Il dort. Mais est-ce qu'il il dort? Un moment que je suis descendu sur la scène, et puis il regarde en bas, il voit un gars clair, un cheveu gris qui est couché. Il est clair. Il dit, oh, il se prend maintenant, Il dit, c'est maintenant, d'après vous, vous allez venir. C'est fini. Il est le guerrier. Il a tué maintenant, il a tué. La Côte d'Ivoire a perdu des monuments. Moi, j'ai tué. Esquili, Doug Saga, à la part. Un jour aussi, on a fait un spectacle où il a insulté les blancs. Ça avait rien à voir avec le spectacle. Mm-hmm. C'est une scène du spectacle où c'est-à-dire que, un, c'était pas son rôle. Deux, il n'était pas dans le rôle. Trois, le texte n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Les bâtards, vos mégots, les blancs. Aïe. Oui, tu es Thomas Sakala, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le spectacle. Yo, pas bien. Donc, il y a longtemps, dans ce truc. Tu te devant les gens. Et ok, les gars, blancs sont étonnés. Il a pété les plombs. Il pensait que c'est la scène, mais en fait. Et puis, deux t'applaudissent. Mais Gota, dis-nous, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la musique ivoirienne? Tu penses que le coupé décalé est un avenir? Défalé, je souffre. Hein? Bon, coupé décalé a un avenir. Je pense que coupé décalé a changé. On ne dira pas orientation sexuelle, mais orientation musicale. Mm-hmm. Mais le coupé décalé. Il y a une orientation sexuelle aussi dedans. Beaucoup, beaucoup. Bon, enfin. Mais je veux dire, le coupé décalé aujourd'hui a. Les gens font moins d'efforts. Ils font vraiment moins d'efforts. Moins d'efforts. Il dirait pas c'est un artiste, mais quand tu écoutes, il dit seulement une seule phrase. Mm-hmm. Tout le reste, c'est la musique. Et puis, le son est fini. Mais et à la base, le coupé décalé, c'est pour faire danser. Il n'y a pas de message en tant que tel. Non. Même quand tu fais l'amour, tu fais un message. Mm-hmm. En faisant l'amour, c'est un message. D'accord. Que tu donnes. Mm-hmm. Tu peux faire un enfant dedans. Mm-hmm. Tu comprends? Si tu n'es pas performant, la femme, elle ne vient plus. Bien sûr. C'est un message que tu donnes. Donc, même quand tu t'amuses, c'est un message que tu donnes. D'accord. Ceux qui ont créé le couplet décalé,
ils ont mené deux combats. C'est grâce à eux que les Congolais nous ont fait. Les Congolais ont pris tout ici. On a tout ce la musique congolaise. Bien sûr, oui. Ils ont d'abord envoyé une identité ivoirienne. Et après, nous ont dit que malgré tes problèmes, malgré tes soucis, vis heureux. Vis heureux, oui. Après, maintenant est venu le concept. Tu comprends? Le concept. Avant, le couplet décalé était d'abord. C'était un concept, oui, mais c'était aussi des challenges. Oui. Je prends un cas. Un exemple très. Très simple, qui est dans le spectacle. Mm-hmm. Quand Bref Philippe a eu des problèmes avec Arafat. D'accord. Il a pris DJ Mix avec l'autre là, Hello, pour faire Bob Rabba. Il dit à Mix, Bref Philippe, joue-moi la guitare. Mm-hmm. Joue-moi Philippe, frappe la guitare. Ouais. Ça a énervé Arafat. Mm-hmm. Arafat, il voit Marcelo. Il dit Marcelo, pied. Comment ils ont mis guitare, moi, guitare, truc. Et puis il dit, joue-moi une guitare. Mais là, pour ironiser, l'autre dit, c'est pas ce qu'il dit de jouer, joue-moi ça. Ouais. Tout était codé au départ. Ouais. Et après, il a eu des problèmes avec 5 étoiles, après, à un moment donné, Massoud est parti en France. Il n'a plus d'arrangeur. Mmh. Il est parti à Makori. Il s'appelle Champé Kilo. Kilo. Champé, ça peur, ils ont peur, ça tremble. Mmh. Tu as vu? Tout était comme ça. Ouais. Tu vois? Mmh. Et donc, après cette belle vie, il a dit, mon frère, il a dit, t'as l'air, laisse tomber. Mmh. Tu comprends, non? Ouais. Tout était un peu aujourd'hui. Alors, Gouta, on sait que tu as été très proche de l'artiste. Oui. Aujourd'hui, qui a tiré sa révérence, Eskeli. Mm-hmm. On sait que tu as été vraiment l'un de ses fidèles amis avec qui vous avez beaucoup collaboré, beaucoup de choses. Quel est le souvenir que tu gardes de la personne? Eskeli m'a appelé 3 semaines avant sa mort. D'accord. Pas via Facebook. Il a dit un truc, il m'a dit. Et toi, ça va? Là-bas, ça va? Et non, ça va. Et non, c'est pour te faire un coucou quoi. Il s'en jaillit. Merci pour tout. Il dit, mais merci pour quoi? Pourquoi? Non, tu as fait ça. On est ensemble, guerrier. Même si tu as fait la juste, si tu as fait la juste, tu n'as pas plu. Vous voyez, ça, c'est mon guerrier. Tu as fait ça. Merci pour tout. Est-ce qu'il m'a dit ça 3 semaines avant sa mort? Le jour sur l'émission qu'on fait. Et après 3 semaines, à 6h du matin, heure européenne, mon téléphone sonne. C'est d'abord l'arrangeur sniper qui me dit, ton ami est parti. Et après, l'un de ses petits tchabois qui m'a dit, au téléphone, est-ce qu'il est décédé? J'ai dit devant Dieu et les hommes, j'ai pas cru. Mm-hmm. Parce que lui, au moins, on a au moins une dizaine de vidéos privées. Pas possible. Il est la seule personne qui est partie torse nu à aller prendre cigarette en hiver en Allemagne. Tellement il est décalé. Ouais. Il a dit, il veut cigarette. Le gars, il ne te vend pas, toi, tu es malade. Tu vois, donc, j'ai vu toutes ces images et ça m'a vraiment attristé parce qu'on était beaucoup proches. Il y a plein d'histoires et plein de choses qu'on a ensemble. D'autres ont failli s'accaparer sa vie, des trucs, tout ça, mais je pense que, comme je t'avais dit que il a beaucoup aimé Laurent Le Bengis. Bien sûr. Parce que c'est son vieux mogor. Et je peux le dire, et puis je peux l'affirmer aujourd'hui, c'est l'un des personnes qui a inspiré ce qu'il a fait des vidéos. Ouais. Sa première vidéo. La première vidéo, tu avais fait la scène avec lui, j'ai vu la vidéo. Sa première vidéo d'Eskeli, c'est moi qui l'ai filmé. Okay. On l'a inventé, la marche de Saint-Michel. Après, Poudre est venu. Après, Abrapoko est venu. Après, Maman Décalé est venu. Après, Mamie Wata est venu, tout ça là. Parce qu'il lui a dit, non, crée l'autre côté. Sois autre personne, t'as pas la musique. Est-ce qu'il devenait bon acteur? Il est devenu autre chose. Il dit même un savant, il m'a dépassé. Waouh! Et ça? À l'enterrement, toi, Roland Le Bengis? Non, moi, je n'étais pas là. Mais je vais, après mon spectacle, je vais sa tombe. Je n'étais pas à Abidjan. Tu penses que tu es beaucoup connu par les Ivoiriens? On ne t'a jamais vu au Femiani Trimut? Je ne sais pas si je me trompe. C'est ce que je t'ai dit. Tu n'as jamais été nominé dans tout ça? C'est ce que je dis. Si la Côte d'Ivoire aime la bonne chose, c'est nominé. Waouh! Ça, j'accepte. Si le film aime les bonnes choses, il sera nominé. Si Primude aime les bonnes choses, il serait nominé. Waouh! Parce que si quelqu'un, si Amona se cuit, il passe à l'essai. Et que Deli Gota, qui a un diplôme en acteur, qui a un diplôme en chorégraphe, passe pas. Tu vois pas? Le gars dit Amona se cuit. Si c'est cuit, il passe.
Si l'ange pharaon passe, si les autres la passent, et que tu vois, si Jésus du bois, et donc si Yahweh passe, quelle leçon on le tient? Donc le juge, tu vois, Asalfo, concernant le fumier, tu vas lui dire, c'est parce que tu ne connais pas ma valeur que tu ne m'appelles pas fumier. Le juge, tu vois, mourir le Moula, tu vas lui dire aussi également que... Non, je ne vais pas le dire, parce que s'il le dit, c'est comme s'il me défendait moi-même. Tu comprends, non? Si le juge va reconnaître que ce que je fais est bon, le juge va reconnaître que ce qu'il fait apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire, ils vont me nominer. Mais je ne veux pas forcer les gens à te nominer, c'est pas bon. Tu comprends, non? C'est pas... Pour passer même à part Ivoirien Musique ou d'autres émissions, quelle émission tu m'as invité encore? À part, on ne me dit pas des radios, on n'a pas fait des publicités, tu m'as invité. Mais quand combien de personnes tu m'as invité en Côte d'Ivoire? Mais tu penses qu'on va courir après pour que tu m'invites? Non, il n'y a pas le fait. Tu comprends, non? Ça, quand le sang a son odeur, l'eau de caca éteint le feu. Ouais. Tu vois, on parle Fagou en Bruce. Il n'y a pas deux coups dans le panneau. C'est moi qui tout les slogans, tu vois, c'est moi qui est le mot qui a fait appliquer dans ma peau, tout ça, c'est moi qui... Moi, c'est, mais quand tu fais des choses, voilà, c'est un défalé ici. Normal, attends, normalement, il devait avoir, comment on appelle ça en bon français, il devait avoir une marque déposée sur le coupé décalé. Oui. C'est ceux qui utilisent le coupé décalé doivent payer un droit à ceux-là, oui. Normalement. Ils cherchent les blancs, normalement. Mais ils sont séparés, de toute façon. Ils sont séparés. Mais continue. Ne fais pas te fier à ça, faut continuer. Qui plaît toi, vous êtes même formé. Mais si c'est pas fou, le laisser, c'est pour lui. C'est bizarre, hein. Ah, c'est pas fou. Alors, mais dis-nous, que penses-tu là? C'est pas moi, vous, je suis même formé. Je suis pas mes formes. Mais il t'attaque, hein. Mais tu sais que la dièse, ils sont séparés, non? Ça, tout le monde le sait. Et puis vous devez produire ton dernier pare-brise. Et c'est vous qui nous attaquez vraiment. On va continuer après. Mais dis-nous, Désigota, que penses-tu de la montée fulgurante de la promotion, disons, des mœurs d'homosexualité en Côte d'Ivoire, dans les cérémonies de remise de trophées de certains médias? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que on est en train de faire une grosse erreur. Parce que c'est une éducation pour la nouvelle jeunesse qui est derrière. Il faut dire ça, Anaconda, il va bien entendre, on ne comprend pas. Et puis, il y a nous, Def, un acteur de porno, Anaconda. Je pense qu'on est en train d'aller dans une... Parce que vous savez que les enfants copient vite. Facilement, oui. Les enfants copient vite. Facilement. Si tu prends un petit garçon, que tu le mets simplement avec ces gens-là, il va devenir automatiquement comme ça. Direct. Tu comprends? Et puis nous, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui vient de l'Europe. Oui. On n'est pas obligé. Tu comprends? On n'est pas obligé. On n'est vraiment pas obligé. J'ai donné un exemple, un homme de l'État ici, il ne dirait pas son nom, un ministre, il dit non. Attends, normalement, on n'a pas besoin de métro en Côte d'Ivoire. Et j'assume ce que je dis. L'an du métro. Non, tu penses qu'on n'a pas besoin de métro en Côte d'Ivoire? Non. L'an du métro peut construire 10 grands CHU. À 10 hôpitaux. 10 hôpitaux. Ok. Mais c'est un moyen de déplacement. En Côte d'Ivoire, on a trop beaucoup, il faut le métro. Et puis le métro, là, non. C'est l'émergence. Je t'explique. L'émergence, ou émerveillé ou bien énervé. Oui. Si on est dans l'agence, on a une urgence. L'urgence, là, il faut payer des machines qu'on va fixer pour les insuffisances rénales. D'accord. Et tous les ministres, mais ils ont des insuffisances rénales. La Côte d'Ivoire n'a pas ce problème. Ces appareils sont pleins dans les hôpitaux. Non, il y en a peut-être 10 ou 15. Dans toute la Côte d'Ivoire? Ah, tu as vu ça? Mais on peut avoir nos bacs orange, blanc, vert dans toute Côte d'Ivoire. C'est très joli. Mais c'est lui. Alors, c'est à nous. On peut avoir. Le ministère de la Santé, c'est ça? Ah, c'est le ministère de la Santé. Mais lui, il y a une dame, mais je ne dis pas son nom. Son enfant envoie papier génique des États-Unis. Pour une circulation, on a besoin de qualité. Mais on peut papier génique des États-Unis pour envoyer ça ici. En stock. Pour venir vendre. Pour venir. Utiliser ici. Utiliser à ce moment. Tu as les yeux comme ça. Mais. Donc pour toi, le métro, c'est pas un bon plan. Non, c'est pas primordial pour l'instant. C'est pas nécessaire pour l'instant. Pour l'instant, là. Et la Côte d'Abidjan, excuse-moi, Abidjan est brûlé. Il faut que notre ville. Au Nigeria, il y a Abuja, il y a Lagos, en Côte d'Ivoire, tout est habillé. Pour chier, faire le plateau. Pour se circoncier, faire le plateau. Pour se marier, faire le plateau. Tout est au plateau. Mais le président Ouattara a dit que tout le monde n'est pas obligé de vivre à Abidjan. Deux, non, quand là à l'intérieur. Mais il a quand même préparé le tuyau à partir là-bas. Mais il a commencé. Il a commencé. Oui, oui. Lui, il n'a pas dit que la mission Colopus à Sini. Il n'a pas GPS ou bien. Bagou a dit ça aussi. Bagou a dit qu'il partait à la mission Colopus. Il n'a pas dit que c'est le parti. De Hollande, il est arrivé à maman. Ils sont dépassés. Nous, on a un souci ici. On a un souci ici avec le football ivoirien. Tu penses que Drogba mérite la Fédération ivoirienne de football? Donne-lui sa chance. Et puis en plus, Drogba, comme il excuse-moi du terme, il est à Tchébé.
Donc, Achebe, ça veut dire l'avare. Non, c'est toi qui as dit. Hein. Moi, je dis l'Achebe. Chaque mot a son explication. Ah. Et moi, je vais pas te faire. Moi, j'ai fait les Ivoiriens. On va se laisser. Ah, il y a les Ivoiriens qui disent qu'il est l'avare. Toi-même qui vis en Allemagne, non, tu dis l'Achebe. Non, Achebe, Drogba est un Européen. Les Blancs n'ont pas l'air comme ça. Où. Même s'il est blanc. Non, il dit les blancs. Mais il a vécu en Europe. Il a vécu en Europe. Pendant longtemps. Mais c'est vrai que tu es un bété, c'est ton frère bété. Attends. Mais lui, c'est un bété, tu vois, mais il dit la Tchébé. Lui, il est dans la logique. Le blanc n'ont pas l'air comme ça. Et s'il est blanc? Non. Il a vécu chez les Européens. Avant, il était pas là. Il est une femme blanche. Il a marié femme blanche. Tout le gros direction ici, il a loupé ça. C'est femme blanche. Bon. Donc, il a la mentalité européenne. Européenne. Mais quelqu'un qui a la mentalité européenne, il ne peut pas venir gérer un moment où on a la mentalité africaine ici. Je préfère mentalité européenne pour gérer. Comment on appelle ça? Pour gérer une affaire ici que mentalité africaine. Les Africains ici. Mais en fait, tu n'es pas le seul Ivoirien qui dit qu'il a été meilleur. Il y a une petite minorité qui dit qu'il donne l'exemple. Je donne un exemple. L'Africain ici ne peut pas donner 10 000 francs. Il peut payer boisson 10 000 pour toi. Tu vois? Il peut payer boisson 10 000 francs pour toi. Quand maman elle m'assoit dans un bar quelque part, il reçoit tellement de boissons. Et c'est pas si il me voit à ma fitini ou à un truc. Il reçoit tellement de boissons. D'accord. C'est-à-dire que si le droit vient, il va structurer les choses. Mais quelqu'un, les gens disent qu'il donne 50 litres d'eau à chaque joueur. Même si c'est dit, il vient à Bobo quand même, c'est quand il dos. C'est quand il dos. C'est plus ou bien c'est comment? Et puis après lui, c'est justifié, mais moi, bouteille d'avoir coûte combien? Non, lui, il a même bien avoir, c'est encore lui dit de prix. C'est-à-dire que tellement les gens veulent structurer les choses, ils mentent. Mais si Drogba vient, il n'est pas pauvre d'abord pour commencer. D'abord. Et il va structurer les choses. Donc je préfère quelqu'un qui. Pourquoi les Ivoiriens refusent, mais qu'ils soient candidats, qu'ils soient élus? Quel Ivoirien qui refuse? Toi, tu refuses? Moi, je ne connais pas faire de football. Non, quel Ivoirien. Toi, mais t'as dit, c'est qui l'Achebe. T'as vu quelqu'un qui s'appelle à la Côte d'Ivoire du ballon. À la Côte d'Ivoire du ballon. Il connaît le football, tu comprends? Gota, écoute. À la Côte, c'est un acteur de porno. Ouais. Gota, c'est des fêtes de fin d'année. Chacun est bien chez soi. Tu penses que le président Serro Guillaume doit rester à l'extérieur? Doit venir fêter chez lui? On dit, il est condamné à perpétuité. C'est ça, ça veut dire quoi? Non. Ton cadavre va attaché. C'est que tu es mort, hein? Mon maître dit cadavre. Perpétuité. On va le perforer. Tu connais percuter? Donc, il ne doit pas entrer chez lui. Non, je peux dire, d'abord, il faut que, d'abord, il y ait une réconciliation avant qu'il rentre. Il faut qu'il y ait. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord que. On a fait palabre, ça a duré 20 ans. À un moment donné, il faut mettre le bas à terre. Tu comprends? Il faut qu'on donne. Il faut qu'on se réconcilie tous. Si on n'est pas réconcilié, que ça dure, même si les présidents changent, les problèmes ne vont pas changer. Tu comprends ça? Moi, je suis d'accord que Bédier, président Gbagbo, président Bédier, président Alassane, les trois se réconcilient, puis les trois, ils s'asseyent, et puis on donne d'autres personnes. Moi, ça, c'est mon avis à moi. Mais je ne suis pas un politicien, mais moi, en tant qu'artiste, c'est mon avis à moi. Mais je veux que Soro, tout le Goudé, il n'a même pas de passeport. Un gars comme ça. Quand il partait, il est parti sans passeport. Mais après, donc, je veux que tout le monde soit, chacun est libre. On se réconcilie tous. Et autour d'une table, on dit, les gars, on a fauté. Il faut blesser le passé. Il faut laisser le passé. Il faut laisser passer le passé. Il faut voir ça là-bas. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Je sais que tu connais bien Johnny Pacheco. Souvent, même vous parlez peut-être. Oui, il le connaît. Récemment, il a fait des vidéos, une des postes où il demande pardon. À qui? À Serro Guillaume. Oui. Le pardon, quand il est nécessaire. Et il a quitté le RDR. Attends, il vient. Quand le pardon est nécessaire, c'est bon pardon. Mais quand le pardon est moqué d'un dindon, ça dépend. Hein. Tu peux faire une bêtise, et puis après, comme tu peux faire une bêtise d'abord, après tu dis pardon. Comme pardon existe, tu fais d'abord ce que tu as fait, et tu fais d'abord quelque chose, tu gagnes ce que tu as gagné. D'abord, tu dis pardon, hein, c'est de la moquerie. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, l'erreur humaine, le pardon est divin lorsqu'on a fait une erreur, on a fait un acte par erreur. Mais quand on fait un acte prémédité, le pardon, c'est une moquerie. Tu comprends ça? Le pardon, c'est une moquerie. Quand on fait un acte prémédité, le pardon, c'est une moquerie. Tu comprends? Non, le pardon. Je donne un exemple. Hein? Je donne un exemple simple. Si le président Soro vient demander pardon à la Côte d'Ivoire, moi, Gota, je lui dis, va construire un grand orphelinat à Ma, ou à Dioké. Et l'orphelinat, là, les envoie à l'école gratuitement.
les gens se soignent gratuitement au nom de ce nom de, au nom de tu veux ça tu peux appeler ça même 11 avril tu peux appeler ça tant mais c'est mieux de faire ça que d'être riche et d'en faire un peu maintenant pardon hein. Faut de là, là. C'est bon de la moquerie, tu comprends, hein? C'est un bon message. Tu comprends? On demande pardon, mesdames et messieurs. Et je te dis, Gotha, ceux qui ne me connaissent pas, c'est son problème. Mais je vous dis, si vous voulez, demander pardon à quelqu'un, il faut que ce soit un acte qui est non prémédité, un acte qui est une erreur. Mais faire un acte prémédité et venir demander pardon, c'est de la moquerie. Non, le pardon de Love Gugu à Yves Duro, c'est de la moquerie. Pardon de qui à qui? Le pardon de Love Gugu. C'est qui ça? À Yves Duro. C'est de la moquerie. Qui est Love Gugu? Love Gugu, c'est une lesbienne qui vit en France, je pense bien, qui a dit sur les réseaux sociaux qu'elle est sortie avec Yves Dero. Et Yves Dero l'a fait enfermer à la maca. Et après, elle a demandé pardon. À qui? À Yves Dero. Quand elle disait que... Quand elle disait qu'elle est sortie à Yves Dero, la vie est dure, hein? Là où les gens elles se trompent là, là où, où les gens se trompent, là, où les gens se prennent pour des femmes qui se prennent pour des garçons, là où elles se trompent, là, c'est qu'elles tombent en règle. Dieu fait rien par hasard. Ça ne va jamais finir tout à fait. Tu vas te rendre compte que Dieu fait rien par hasard. C'est de ma pardon à Love Gugu, et chose à Yves Duro. C'est pas de la part. C'est mon avis à moi. C'est un peu de la moquerie. Parce que avant de dire quelque chose, il faut manipuler, il faut vérifier. Il faut d'abord réfléchir avant de dire. Bien sûr. Oui. Je peux pas dire à des fois, tu as gros ventre, hein, et puis il y a eu pardon. Il a vraiment gros ventre, c'est vrai, mais il a gros ventre. Non, gros ventre. Et puis c'est quoi? Non, mais c'est bien. Bidon, il y a là. Donc, tu vois, il ne faut pas injurier quelqu'un et après demander pardon. On demande pardon quand on a fait un acte non prémédité par erreur. Mais venir gifler quelqu'un, oh, tu le gifles, c'est pas bon, tu finis de faire la vie, pardon, c'est de la moquerie. Moi, j'aime pas ça. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont profité de la rébellion, par exemple, doivent faire quelque chose pour les enfants orphelins de la rébellion. Ça, c'est un bon pardon. Ah, ils sont beaucoup, hein. Tu comprends? Tous ceux qui ont profité de, exemple, de telles choses doivent faire des actes pour ça. Tu comprends? Moi, si je parlais pour dire c'est comme ça, je vois les choses. En tant qu'un comédien, en tant que. Un acteur, en tant que truc, dans toutes mes vidéos, il a toujours un message. Je prends pas parti pris, mais je ne vais jamais soutenir des choses qui sont illégales, des choses qui ne sont pas bien. Donc, tu as condamné la rébellion en Côte d'Ivoire. Hein? Ce n'est pas la rébellion celui qui est condamné. J'ai condamné de Popo Prala, des déchets toxiques jusqu'à le 11 avril. J'ai toujours condamné. J'ai fait des vidéos. Ça. J'ai pas été à ces pays. J'ai eu une confidence. J'étais dans la salle, quand Fatou Bensouda faisait une conférence de presse, oui. Je suis le seul Africain qui est sorti de la salle, vis-à-vis, un par un sorti de la salle, il dit que non, il n'écoute pas. On a pourquoi dire parce qu'elle raconte n'importe quoi. Oui. Parce qu'on met un Africain devant, et puis les blancs sont derrière, c'est pour le manipuler. Il dit ça. Quand je suis sorti de la salle nette là, les journalistes européens m'ont été vivés, ça a continué à taper. Voilà, tiens, taper les gars sur Gbagbo, les gars sur quoi, mais j'ai oublié le. Bon, regarde, sur temps. Taper Gotha déprime mon nom à l'état civil. Ils ont été vus à ces pays. D'accord. Je suis sorti de la salle. Je suis contre tout ce qui peut nuire l'Afrique. C'est moi qui ai dit que l'Afrique a pu sur l'Afrique. Et puis, quand l'Afrique, quand tu ramènes, ça devient pistolet. Et il y a un petit coup à côté, on dirait balle. On dirait qu'à tout. C'est bien. Si tu as le cas d'Afrique, comme nous achètes, comme voilà, nous achètes, en fait. Voilà. Vous comprenez? Donc, je veux dire quelque part que je suis contre tout ce qui peut nuire l'Africain. Ouais. Tu comprends? On a du talent, on a de la force. On est le peuple le plus. Qui est prêt mentalement. Mais on n'est pas prêt ici. Vraiment, on n'est pas prêt ici. Là. On n'est pas prêt ici. On n'est pas prêt là. Et c'est ce qui fait le problème. Si Serge Défalé aujourd'hui évolue, eh bien, il traite Serge Défalé. Et que Serge Défalé refuse. Exemple, toi, quelqu'un a envie de dire, il peut faire. Le blanc comme ça. N'accusons pas les Européens. Non. Tant qu'il y aura des traites africains, tant qu'il y aura des gens acceptés, tu vas accepter les salles billets africains, les blancs, et je change le maïma. Je change le maïma. Donc, faut pas. C'est la France, c'est l'Amérique. Non, c'est faux. C'est faux. Personne n'a tué. C'est pas blanc qui veut tuer Thomas Sankara. C'est pas blanc qui a tué tant. Personne. C'est en nous, entre nous, on s'entretient comme des tocards. Donc, quand on va mettre nos métros en place, là, tu vas pas monter des gens? Les petits à bouger avec la métro. Vous vous amusez, hein? Pourquoi? Ils vont manger la métro, la banane brisée, même.
de devoir péter la métropolitaine. Mais est-ce qu'en Europe, les gens ne mangent pas banane dans le métro? Oui, c'est les Africains, quoi. Ils font ça, les Français. Les gens ne coupent des carrés. Voilà. Bon, avant de te demander ton dernier mot. Alors, mesdames et messieurs, notre émission tire presque à sa fin. Nous avons très été heureux parce que vous savez, avec Dédi Gota, on ne s'ennuie pas à beaucoup de rigolades, ça passe dans tous les sens. Alors, Dédi, nous allons te demander ton mot de fin par rapport à ta pensée. Qu'est-ce que tu as comme message pour la Côte d'Ivoire? Madame, mon mot de fin, okay. Je veux une Côte d'Ivoire réconciliée. Une Côte d'Ivoire où chacun peut se regarder en face pour lui dire que j'ai péché ou bien j'étais offensé. Pardonne-moi. Ouais. Je veux une Côte d'Ivoire où l'artiste est respecté pour son travail. Et je veux une Côte d'Ivoire où on prend quelqu'un, pas parce que cette personne est vulgaire, ou cette personne est... Il faut mettre les méritants à la place qu'ils méritent. Tu comprends? C'est tout. Voilà. Il ne faut pas que le matu vu prenne le dessus de ceux qui ont le talent. Ça, c'est mon mot de fin. Et pour finir aussi... Il ne faut pas que le matu vu prenne le dessus de ceux qui ont le talent. Le talent. C'est tout. Le mot de fin est dédié. C'est ça. Alors, dames et messieurs, c'était le Fafa du jour avec Dédi Gota, notre artiste invité, l'international. Alors, merci à tous ceux qui partagent nos vidéos sur toutes les pages, les relais, les informations que nous vous passons. Merci à tous ceux qui nous suivent dans tous les quatre coins du monde, je précise. Tous nos amis qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout, sans oublier la grande famille. Merci à Mathilde Eric, à la marraine, Angebe le cultivateur, oui, la famille, depuis la gare du Nord, Kangala le berger, Olivier Niepa, toute la grande famille. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, le DG Pierrot. Merci, merci, merci Charlie Cissé. On est ensemble. Que Dieu vous protège. Surtout, sortez couverts et surtout, bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Merci. Que Dieu vous bénisse.